Salut DevOps, aujourd'hui on parle de la compilation. La compilation est le processus de traduction du code source écrit dans un langage de programmation en un exécutable compréhensible par la machine. Les langages de programmation tels que Node.js, Java et Python ont des approches différentes en matière de compilation. Par exemple, en Node.js, la compilation est souvent réalisée via des scripts définis dans package JSON, tels que npm run build. Ces scripts peuvent utiliser des outils comme Webpack pour transformer et optimiser le code source. En revanche, en Java, la compilation est généralement statique, produisant un fichier exécutable indépendant du système d'exploitation. Python, quant à lui, est un langage interprété, ce qui signifie que le code est traduit en bytecode lors de l'exécution. Pour réaliser la compilation, nous utilisons des outils spécifiques. Les compilateurs sont des programmes qui traduisent le code source en langage machine. Les outils de build tels que Maven, Gradle ou Make simplifient et automatisent ce processus. Lorsque vous compilez votre code, vous aboutissez à un fichier exécutable ou un artefact prêt à être déployé. Il est crucial de maintenir la consistance et la répétabilité de vos builds pour garantir un déploiement réussi. Gérez soigneusement vos dépendances, assurez-vous que vos tests passent et stockez vos artefacts de compilation dans un référentiel approprié comme Nexus pour une gestion efficace et une traçabilité totale. Et voilà, un petit pas dans la compréhension de la compilation, un grand pas dans votre parcours DevOps. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez devenir un maître du DevOps, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos aventures.